is kind of hard. Where's my money? I don't know what you expect me to do. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. I'd say you're super fucked. Chloe, please. For me. Damn it. En plus, j'aime bien si elle disait, c'est vraiment un costume de merde, je préfère crever que porter ça. Mais tout à l'heure, elle a dit, je préfère crever que porter ça. Ah, gros. Ah, mec, mais comment ils ont réussi à se zérer pour te mettre le truc, mais te le... Par contre, je sens tellement le gros mon insolence sur scène, tu vois ça, je le sens tellement gros. Thanks, Rachel. Bon, ceux qui veulent lire comme d'hab, hein, les mecs, hein, n'hésitez pas. Ah oui, en si peu de temps. Putain, c'est pareil, ceux qui veulent lire comme d'hab. On peut voir ce que ça donne la scène. And you done à la fin, and you done. En vrai, ça va encore. Toute la scène, tu vois, ça passe. Il faut bien qu'elle... Bah là, elle a une parole. Deux paroles. Ouais, là, c'est au début, en fait. C'est au début qu'il y a beaucoup. Genre, en vrai, ça veut. Ça commence... On est trop bien placé. Ouf. Oh, tu verras. T'es où? Oh, tu verras. Ah oui, ouais. Bah ouais, ouais. Il verra, ouais. J'ai pas regardé vite fait. Ouais, non, il y a ça aussi, hein. Il y a genre les 1, 2. Tu vois, il y a 4 ici. 3, 2, 2. Ouais, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est... And you're done. Après, ici, c'est la petite note de Steph. Il y a quoi d'autre? Bon, il y a le petit miroir. Oh, même sûr qu'on t'a vu le miroir, les potes. Ah bah ouais. Ah, les mecs, on est dans la pièce maintenant. Donc bon, forcément, quoi. C'est la base. Tragédie. Got it. Ouais, c'est stylé, hein. Mr. Keaton, il va être en mode de... Wow, c'est très bien, Chloé. Rachel thinks this is a comedy, but it's a tragedy for me. Bah, la trompette, c'est une tragédie, hein. Shakespeare, c'est de la tragédie, hein. C'est pas de la comédie, hein. Très, très clairement. Il y a d'autres... Ouais, puis j'aime bien, tu sais, j'en allais le voir, tu sais, regarder le truc ici. Et au final, bah, maintenant, c'est elle qui est dans le rôle. Bah, il y a plus rien sur sa main. Bon, bah, let's go, hein, écoute. Ouais. Chloé va monter sur... Non mais j'ai dit que mec, quand on a dit ça, le mode insolence, j'ai senti arriver gros comme une armoire, quoi. Le mode insolence sur scène, c'est obligé. Comme elle sait pas le truc, elle sait pas le texte, c'est obligé pour bien se sortir. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to the shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. Tis a good dullness. And give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. I wish I could throw that at Rachel for getting me into this. C'est le mec qui se promène sur scène, c'est... Hey, mec qui comprend pas. I sat here yesterday. Ouais. C'est le mec qui se promène, c'est... Salut! Salut les potes, hein, salut! Salut à tous! I'm definitely supposed to do something with this. Salut Dana. I want to play her part. Mais ouais, elle est morte. Salut, tu vas pas ici, mère? Bon, faut être sur la croix jaune, j'imagine. Oh, that killed my eyes. Ah! C'est un mec qui tousse. Il fait putain, qu'est-ce qu'elle prend cette conne. Rachel looks way too pleased with herself for getting me into this. Let's go. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless,
Generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? I wrought a storm across the seven seas, raining. Shit. The king's own ship, I saw such rain assail, and by this detail. Ah, mais fallait vraiment prendre le texte. Well done. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason? Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. Et moi je sais pas, j'ai pas appris le texte, hein. Tu sais, mec, j'ai tapé sur un certain texte, la tempête, tu vois. Cried. Hell is full. So, therefore, now's the time to die. If only. But are they, Ariel, safe? All right. I guess this is what I'm supposed to walk somewhere. Mais gros, mais moi je peux pas. Genre, au moins, j'ai lu le script, tu vois, au moins qu'il me souligne les trucs. Genre, chez Apt, moi. Ah ouais, mais elle sait même pas ce qu'elle doit faire, mes frères, si tu veux que je fasse, moi. Je suis pas. Sick lightning. I bet Elamon could cast that. Ah ouais, mais gros, il s'est dit ouf aussi, frère. Si tu veux que je fasse, je dois m'asseoir, mais je dois m'asseoir où? Apparemment, je dois faire un truc, donc bon. À m'asseoir où je me suis assis hier, hein, quelle ironie. How now, capricious friend? Thou art not done. If thou art tired, thou must needs repose. Yeah, I'm tired. Tired of this play bullshit. Mais en fait, est-ce qu'il y avait vraiment, genre, dans les trois propositions, est-ce qu'il y avait vraiment la vraie proposition qu'on devait vraiment dire? I bet I could sit here for half an hour and he'd still be too afraid to do anything. En fait, tu vois, ce que je me demande, c'est dans les trois, ouais, juste... S'il y avait la vraie réplique, en fait. Genre, ou si je fais de la merde, tu vois, ou s'il y avait vraiment la vraie réplique. Je pense qu'il n'y avait pas la vraie réplique, à mon avis, parce que je pense qu'elle la sait juste pas, quoi. Clairement. C'est bon, elle a fini de parler. Elle a fini de causer. Il y a un mec qui a déjà entendu. What's going on? Bon, allez, je me lève. Je dois faire quoi, maintenant? Je dois pas la Rachel, non? Oui, je comprends rien. Pray, use the vantage of that broken ship to prove the safety of the king's good men. Et comme on lui a forcé la main, quand même. Bah, en même temps, frère, elle connaît pas le rôle. Enfin bon, c'est chaud, quand même. Not a hair perished. And, as thou battest me, I have dispersed them about the isle. Bah en troupe, non, enfin c'est le truc le plus théâtral, parce qu'en boucle, en troupe. In troops. Bravo. Ariel, thy charge exactly is performed, but there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? My, equality? No creature may come near to equal Prospera. That lies beyond my power to bestow. My liberty. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line, is it? What's going on? But thou assured my freedom, didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so.
Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free? Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Say yes! Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. Thanks, Chloe. Well done. An admirable effort. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. No problem. What the hell just happened? Was that real? Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! As wicked do as e'er my mother brush, with raven's feather from unwholesome fen, drop on you both! A southwest blow on ye, and blister you all o'er! Thou poisonous slave, got by the devil himself! Filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Oh ho, oh ho! Would it had been done! Thou didst prevent me, I had peopled else this isle with Calibans. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Where should this music be? In the air or the earth? This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world, do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all overthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands.
Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Qu'est-ce que le bon est la meuf? Non, en vrai, la paix, c'était grave stylé, hein. Même si, tu vois, genre, c'est début, je pense que c'était fait exprès qu'au début, genre, que ça aille pas trop, que Chloé ne soit pas trop à l'aise. Mais après, genre, ça s'est mieux fait dans le sens où, enfin, là, je veux dire quoi dire, même si c'était pas le script. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. In the dead of night, I'll miss you in my sleep. He was shitting himself. That dude owes me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. And follow you back home. Tell me you can't. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You know, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? Yeah, I feel really awesome. If you told me this morning I'd be this happy tonight. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night, let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but like, eventually. Let's go. Now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. Nah, I didn't like being a criminal as much as I thought. You're more of a hero than I think you realize. I think you're high right now. I'm a no hero. We'll see. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Maybe. It's not like I do this all the time. You'll figure it out. But
You don't even know what shape it's in. I don't need to, because I know you, and I know what you're capable of. In other words, we've got transportation covered. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Ben j'avoue, ben sa mère, elle, enfin, elle a rien fait, tu vois. Genre, moi, j'aimerais bien dire les deux, tu vois, mais bon. Moi, je vais dire sa mère, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur sa mère. She doesn't deserve that, right? I don't deserve to live in the middle of my parents' mistakes. Right. Of course you don't. Mais j'avoue, sa mère, elle a juste rien fait, quoi, en fait. On est obligé de dire ça, donc on va le dire. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Los Angeles. C'est trop loin, New York. Why don't you show me LA? Perfect. 60 degrees every night. You and me on the Santa Monica Pier. Gorging on food truck food, smoking up, looking at the moon shining on the waves. And a beautiful blonde man will sit next to us and smile at you. Yeah, okay. He'll say, I like your eyes. And I'll say, back off. She's with me. You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Bah, hein, les mecs, c'est ce qu'on va dire, hein. Bon, moi, oh, je suis important. Toi, ou son bracelet, bah non, je vais pas dire son bracelet. Pourquoi je dirais son bracelet? Enfin, c'est pas un tatouage. Mais je sais qu'elle va faire un tatouage, de toute façon. Non, on va dire un baiser, fuck. En plus, genre, je sais que, genre, j'ai dit LA, déjà, en plus, que bon, pour moi, c'est le truc le plus probable des trois, parce que sur la route, c'est pas une vie. Et New York, enfin New York c'est loin quand même, tu vois. Enfin, c'est pas trop loin, on va dire. Et puis elle est en plus, je sais que genre dans Life is Strange, Chloé elle a dit à Max qu'avec Rachel elles avaient privé de la LA, tu vois. Du coup, forcément, ça correspond. Bah, on va aller, les mecs, hein, clairement. How about. Oh. Is that convincing enough? Yeah. Holy shit. Right? What is this stuff? I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff from my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool.
Let's do it. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay. That sounds perfect. Il se finit un jour cet épisode ou ça commençait plus en avant, mais bon. Là, je parle pas beaucoup parce qu'il y a plein de scènes en fait. Il y a eu la pièce de théâtre et maintenant il y a ça. Enfin, il y a plein de scènes en fait où il y a des cinématiques, du coup, forcément, je parle pas. Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Thanks, but I was just gonna stop in for a sec and then bounce. Oh. Did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sort of happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. Eh mais l'épisode, il dure 10 putains d'années. Il se finit un jour cet épisode ou je sais pas, enfin... trois nouvelles pages. Voilà. Ceux qui veulent lire, c'est pareil. Que d'habitude, n'hésitez surtout pas, hein, clairement. Ici, bah, c'est juste pareil, hein, clairement, comme d'hab. Hein, n'hésitez pas à lire. Et puis voilà, ici, voilà. Voilà quoi, les gars. Ouais, maintenant, on a Steph, il envoie un message. Attends, je te dirais ça, on m'a dit que tu as joué dans la tempête, ouais. Ouais, j'étais plutôt essentiel, je veux bien te croire, tout le monde dit que le spectacle est au top, tu gagnes deux médailles pour les deux bonnes actions d'aujourd'hui. Mais qui t'enverra un texte plus tard, ah merde, dis-leur que je pense à eux. Se trouve bien, c'est l'essentiel, clairement. Parce que c'était un choix, en fait, le choix là, les seules conséquences qu'il pouvait avoir néfastes, c'était sur Drew, en fait, clairement.
Et donc du coup, bah, si ça va bien, bah, je suis content pour lui. Mais frère, mais cet épisode, il dure 10 putains d'années, quoi. Tu sais, le dernier épisode, j'ai fini en quoi, 3 heures? Là, on est facile à quoi? On est à 2h40. Enfin non, on a 3h40, facile. Il dure super longtemps, l'épisode. 3, largement plus de 3 heures, quoi. Rachel really wasn't a achiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Ok, non mais ouais, je parlais que son frère, c'est malaisant par contre. Genre fois 1000. C'est le meuf, elle fout la merde à la baraque, tu sais. Toute leur vie. Celles qui vont, ouais. Ah bah moi j'y étais, hein. Bah en même temps, on boumait qu'un. Qui n'a jamais été à Paris, en France, très clairement. Easy to see who wears the literary pants around here. La culotte littéraire. Métamorphose, waouh. C'est les métamorphoses de vide, ça, non? Je sais pas, peut-être, ou il me semble, après. Je suis peut-être pas sûr non plus. Dossier, on va témoigner le dossier. That's the guy who attacked Drew. I know I did the right thing. J'ai pris mes dans son argent. J'aimerais pas. I wouldn't want to be on this guy's bad side. Mais ce qui est excellent, c'est que c'est le procureur, lui. Il y a un dossier sur lui, tu vois. Donc on sait que même si on a des problèmes d'un certain côté, eh ben on sait que lui, genre... Mais c'est chelou, tu vois, genre... Mais regarde, la meuf, là. C'est Sarah Gerhard de Dette. Voilà. Et en gros, la meuf, là, bon, le mec, très clairement, elle était aussi au spectacle. C'est un peu zarbe. Et dans le sens où ça veut dire que le père... Mais en fait, ça veut dire que peut-être qu'il se la tape, mais il se la tape peut-être pas, tu vois, genre dans le sens où je la tape comme ça. Peut-être c'est pour avoir des indices ou un truc comme ça, parce que moi c'est vrai que c'est assez bizarre quand même, je pense pas qu'il est infiltré. C'est le procureur officiel quand même. Frank Bauer, Sheldon Pike, lui Sheldon Pike c'est le mec qu'on a foutu un coup de bouteille. Peter Gipsy c'est l'autre qui était avec lui, et puis lui bah, c'est le mec qui nous a fait rentrer quoi. La Syrie, au nord de la ville. Ouais mais tu vois c'est bien, donc on sait que vraiment genre c'est le mec genre il craint tu vois. Genre on a carrément un dossier, le mec il a carrément un dossier sur lui s'il te plaît. Moi je peux m'asseoir tout de suite. Ordinateur. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Cheeto. Parce que c'est un Cheeto. Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Et moi j'étais vraiment super sûr. J'étais sûrement super sûr, tu vois, que genre après ce qu'on a fait dans la nuit, tu vois, ça allait être fini, mais non. Félicitations au super acteur. Désolé d'avoir loupé tout ça, les amis, j'ai une urgence, je vous aime, je suis trop désolé. Tu contrôles pas le feu, si à moins que Chloé se débrouille comme une chef, des nouvelles de Drew. Se remet, on va le voir demain matin. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Azaki James. Mec, c'est trop. Mais c'est un mode insolence, frère. High class, shawty's on bad. Hell is why she got all these bitches mad. See the type of girl a nigga wish she had. See the type that if you get it, you could buy. Lil' shawty got her own and I like that. Hit the mall, she ain't worrying about the price tag. She got all these niggas, I ain't tryna wipe that.